Cette semaine, je vais vous parler d'un jeune couple. Un jeune couple qui était fraîchement marié. Ça faisait déjà 2-3 mois qu'ils étaient mariés. Et ils sont, dès le début du mariage, ils ont commencé à ne plus arriver à s'entendre en rien. Malheureusement. Chaque jour passé et chaque jour comptait sa dispute, son différend, ses cris, ses émotions négatives, trop fortes pour l'un comme pour l'autre. Ils ont fini, l'un comme l'autre, par se renfermer et par ne plus arriver à communiquer. Jusqu'au jour où ils ont décidé de faire le pas et de m'appeler pour venir me voir. Lorsqu'ils sont venus me voir et que j'ai pris le temps de les écouter, je me suis rendu compte qu'ils manquaient de maturité, qu'ils étaient jeunes et que les différends qui les opposaient, c'était des différends qui étaient très simples à régler. La jeune femme reprochait, par exemple, à son mari d'aller déjeuner une fois par semaine chez ses parents sans elle. Ou le mari reprochait à la jeune femme d'aller une fois par semaine aussi chez ses parents à elle. D'accord ? Donc ils faisaient les mêmes reproches, mais ils ne s'en rendaient même pas compte, tout simplement. Je les avais reçus une première fois, en leur expliquant leur profil de communicant, après un petit examen, un petit questionnaire auquel ils ont dû répondre, tout simplement, pour essayer de réparer leurs moyens de communication. Et la seconde fois, lorsqu'ils sont venus, ils m'ont dit que Vodarav, on a essayé de réparer, mais c'est pire maintenant que ce que c'était avant. Parce qu'on est conscient de nos problèmes maintenant. On est conscient de nos défauts. Et on est conscient des défauts de l'autre, et c'est votre faute. Et là, j'ai souri, et je leur ai rappelé à chacun leur obligation. Et là, le mari me dit, mais Vodarav, dans tous les cours de Shalom Bayit, absolument dans tous les cours, vous passez votre temps, vous les rabbanim, à dire aux hommes quelles sont les obligations vis-à-vis de leurs femmes. Et nos femmes passent leur temps à nous dire « Mais tel rave, il a dit comme ceci, et tel rave, il a dit comme cela. C'est pas normal !» Et à ce moment-là, j'ai répondu à ce jeune garçon une chose très simple. Je lui ai dit « Écoute, mon fils. » Ah oui, je parle comme un vieux rabbin maintenant. Je lui ai dit « Écoute, mon fils, tout simplement. Il faut que tu comprennes une chose. Dieu a créé l'homme. Et de l'homme est sortie la femme. De ce fait, l'homme, à travers ses actions, il a une influence directe sur sa femme. La femme, pour avoir une influence vis-à-vis de son mari, elle a besoin de parler, de dialoguer, de se faire écouter, de se sentir comprise. Alors que le mari, normalement, de par sa façon d'agir, quand il fait bien et qu'il agit bien, il a une influence directe sur son épouse. L'épouse est le miroir de l'homme, c'est ce que nous rapportent nos maîtres de mémoire bénie. Raison pour laquelle, pour régler le problème à la source, jusqu'à aujourd'hui, tous les rabbanim rappelaient l'obligation de l'homme vis-à-vis de la femme en espérant que l'homme, en se repentissant comme il le devrait, et en se remettant en question et en agissant de façon différente, arrive à régler tous ces problèmes de couple. Dans notre génération, ça devient plus compliqué. Parce qu'on voit aujourd'hui que certains hommes ont une certaine sensibilité, beaucoup plus poussée par rapport à d'autres générations et d'autres époques. Et on voit par rapport à cela que cela ne suffit plus. Et de ce fait, quand je lui expliquais ça, je lui dis « Attends, regarde, aujourd'hui, toi, tu es sensible. Ta femme est sensible. Vous vous renfermez, vous ne communiquez pas. Peut-être que s'il n'arrive pas à vous aider, que vous revenez à la deuxième séance en vous disant que c'est pire, peut-être qu'il faudra penser à divorcer. Peut-être que dans un premier temps, le temps qu'on arrange les choses entre vous, peut-être que de façon provisoire, il faudrait mettre un mode de contraception pour que ton épouse n'ait pas de crainte au moment où elle se retrouve avec toi, etc. » Et lorsque je leur ai dit ça, je leur ai dit, réfléchissez. Réfléchissez bien et rappelez-moi. Et ils ont réfléchi. 2 jours plus tard, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, Vodarav, vous vous rendez compte, vous avez quand même parlé de possibilité de prendre des moyens de contraception, mais nous, on veut arranger les choses. Et d'un seul coup, ils ont fini par comprendre tout ce dont j'ai essayé de parler avec eux. Tout simplement, pourquoi?
en les mettant face à la réalité la plus négative possible pour eux, à leur niveau à eux. Tout simplement, on voit, Baruch HaShem, qu'on a une mitzvah. Une mitzvah de se réjouir. Mais pour arriver à prendre conscience de la joie dont nous devons faire preuve chaque jour, il faut arriver à comprendre dans quel malheur nous pouvons sombrer si nous décidons d'arrêter de faire des efforts. Dieu nous a donné la Torah. D'accord ? Pourquoi ? Pour agir. Et de ce fait, on doit agir chaque jour pour améliorer notre quotidien, pour améliorer notre personnalité et ne pas se laisser sombrer dans nos problèmes et notre négativité. Lorsque ce jeune couple a compris cela, tout simplement, leurs problèmes de Shalom Bayit se sont évanouis. Et aujourd'hui, ça fait de nombreuses années qu'ils sont mariés et heureux en ménage. Baruch HaShem, à très bientôt pour un nouveau volet de nos histoires de couple.